Salut les potos, ici Porto 95 Gaming. Je vous montre le glitch du mode invisible. Pour cela, il faudra être en PDG, avoir un centre d'opération mobile, une voiture Pegasus et des bières. Pour cela, vous lancez du C4 sur la porte, sur le rond bleu de votre centre où il y a les voitures. Le PDG, vous montez dans votre winner. Il se peut que la manip vous la loupez. Il faut au préalable aussi avoir une activité récente qui va nous servir par la suite. Je vous expliquerai pourquoi. Là, ce qu'il faudra faire là, c'est monter dans votre winner. Au moment où vous foncez dans le rond bleu, vous faites exploser la voiture. Mais là, je vais me fail. Ce qui fait que ne vous inquiétez pas. Une fois que vous respawn, vous refaites la manip. Avec ce glitch, vous pouvez vous taper des délires avec vos potes. En fait, pour tous les joueurs, ils vous verront pas sur la carte. Pour eux, vous serez toujours dans votre truc de voiture, quoi. Dans votre entrepôt de véhicules, quoi. Là, vous remontez dedans. Vous refaites la manip. En ce qui concerne le centre d'opération mobile, il faudra avoir en module 2 les armes et les dépôts de véhicules personnels. Là, vous allez remettre des bombes collantes. Et vous refaites la manip. On remonte dans le véhicule. Ouais, de préférence, mettez-vous en face. Et à peine vous foncez dans le rond bleu, vous faites flèche de gauche. Et si vous explosez, vous voyez réapparaître dehors. Ça a fonctionné. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Vous êtes mort. Voilà. Là, la manip, c'est d'aller à votre centre d'opération mobile. Et c'est là où on va avoir besoin de l'activité récente. En fait, il faudra aller au cul de son camion, au rond bleu. À peine vous franchissez le rond bleu, vous faites activité récente et dès que vous voyez que vous respawnez à l'intérieur du centre, là où vous avez les voitures, là où on a fait exploser la voiture, vous refaites encore deux fois PS, activité récente. Ça a pour but de vous débugger. Si vous faites pas ça, vous serez bugué en mode invisible dans vos garages où vous avez les voitures. J'ai peut-être aussi un glitch bientôt de duplication de véhicules. Je travaille dessus. Et en ce qui me concerne le gun mode, il y aura peut-être un after patch. Donc c'est pareil. Je recherche aussi un after patch pour le gun mode. Je pense que c'est possible. Mais on peut être déjà en gun mode. Avec le glitch des dons de véhicules, il y a moyen de faire quelque chose. En ce qui concerne le fast run, il est toujours possible. Et le don de véhicule, il est toujours ok. Il marche au point.
Donc là, on arrive bientôt au centre d'opération mobile. Et là, on va se servir de l'activité récente que vous avez définie. Vous faites deux fois PS. Et vous lancez l'activité récente. En fait, vous validez, lancez GTA Online. Et vous faites rond sur le message, validez pas tous les messages. Voilà, vous faites rond. Et vous refaites deux fois PS d'affilée. Là, vous voyez, je suis débugué. Et là, c'est là où va nous servir les bières. Donc le conseil que je vous donne, restez bien appuyé sur croix lorsque vous buvez une bière. Ça permettra qu'il en boive plus. N'appuyez pas sans arrêt sur croix, ça sert à rien. Vous appuyez jusqu'à ce que vous ayez le message reboire. Vous voyez, là vous avez, voilà. Utiliser jusqu'à ce que vous ayez le message utilisé. Buvez, buvez. Ceci a pour but que vous tombiez dans les pommes bourré et question que vous respawnez à l'hôpital. C'est la seule solution pour sortir de là où vous êtes, là. Le dépôt de voiture là. On y est bientôt. Il faut minimum 8 bières, quoi. Voilà, c'est bon. Là, normalement, vous êtes invisible. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les armes. Et pour pouvoir utiliser les armes, il faudra se diriger avec QG de motard. Voilà, ça y est, je suis en invisible. Essayez de piquer une voiture. Voilà. Et si vous voulez voir où sont situés les joueurs, vous avez juste à faire start, croix pour voir les joueurs. C'est le seul moyen pour vous, si vous voulez buter des jeux. Des joueurs pour augmenter vos ratios, vous tapez un délai entre potes, vous faites start et vous verrez les joueurs sur la carte.
Je vous encourage aussi à aller voir la chaîne d'un pote à moi, Sam's Gaming. Là actuellement, il doit être sûrement en don de véhicule. Alors n'hésitez pas à aller le voir. Très bon youtubeur. Et vous pouvez être sûr que les voitures comme les siennes, il n'y en a pas beaucoup qui les ont. Alors tous ceux qui disent que c'était leur voiture, parce qu'il y en a plein qui ont dû récupérer ces voitures à lui et dire que c'est les siennes, alors vous trompez. Nous arrivons au QG. Et là, ce qu'il faudra faire, vous rentrez dedans. Et dès que vous serez à l'intérieur, il faudra vous mettre à la première personne pour pouvoir ressortir ensuite et débloquer les armes. Sortez par la porte. Voyez, je vais débloquer les armes. Et vous êtes invisible. Voilà les poteaux. J'espère que ce glitch vous aura plu. Vous passerez des bons délires sur ça. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner et à partager ça entre vos amis. Sur ce, je vous dis à bye bye.